Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le gilet col V manche longue. Col V ici. Il se tricote d'un seul tenant. Donc on commence en haut ici et on finit en bas. Les seules coutures qu'il y aura, ça sera les manches. Comme vous pouvez le voir, juste les manches. Une fois qu'il est fini de tricoter, voilà, il est prêt à être porté. Donc le dos se présente comme ça. Donc moi j'ai pas mis de boutonnière, vous pouvez mettre des boutonnières. J'ai toujours des boutons pression. Hop. Comme vous voyez, aucune couture sur les côtés. Donc ici, on retrouve point mousse jersey. Ici, pour le col, ça sera du point mousse avec une petite séparation. Je reprends exactement, je ne sais pas si pour celles qui me suivent vont me dire oui, je l'ai vu. Alors là, je n'ai pas fait de broderie, je viens de la finir. Donc là, j'ai pas encore fait sa petite déco, j'ai pas eu le temps. Je sais pas si je vais avoir le temps d'ailleurs. C'est ce gilet là que j'ai fait, que j'ai refait. C'est exactement la même chose, hormis ici il n'y a pas de manches et qu'ici il y a des manches. C'est exactement la même chose. Pour ceci, alors il faut que je retrouve, hop, gilet col V. Je reprends mes explications pour le démarrage. Pour celles qui ont fait ce gilet-là, en fait, au lieu de rabattre les manches, on les met en attente. J'ai tricoté les manches après. Beaucoup préfèrent les tricoter avant. Parce que je voulais à tout prix faire le bas dans cette couleur-là et voir ce qui me restait en laine pour pouvoir faire les manches. Le jersey ici, jusqu'au bout, en vert. Comme c'est des pelotes que j'ai utilisées entamées, j'ai utilisé beaucoup de pelotes entamées. Donc mon blanc ici, j'en ai eu deux qui étaient commencés, bien commencés d'ailleurs. Ici, j'en ai une, mais c'est pareil, elle était plus que bien commencée aussi. Donc, du coup, niveau pelote, on va dire 3, 4, parce que du coup, moi, ça m'en fait 4, 2 blanches, enfin, 2 moitiés de blanches, parce qu'elles sont super bien entamées. Une entière, dont elle est où? Ah, tu l'as dit ça en bas. J'ai pas pris beaucoup dedans, donc j'aurais dit 2 blanches entières et une. Après, si vous une pour ici, hein, si vous faites comme moi, et si vous faites un changement de couleur là, c'est pareil, ça sera plus deux blanches mais deux vertes. Donc, moi je dirais trois pelotes de laine, pas évident de l'annoncer. Parce que je me retrouve souvent avec des restants de laine comme ça. C'était à peu près ça,
ce niveau-là que j'ai pris mes pelotes de laine blanche. Donc, voilà. Elles étaient plus que bien non tamées. Je suis tombée sur un carton avec plein de pelotes de laine entamées que j'ai mis de côté. Donc, je me suis dit, il faut que je les utilise à tout prix. Donc, le col V1, c'est une taille 3-6 mois. Les aiguilles numéro 3 de la laine, 3-4. OK. Je monte 50 mailles et je fais un rang au point mousse. Donc, le gilet se commence ici par le col. Vous allez dire, 50 mailles, c'est pas beaucoup. Donc ici, en fait, le devant n'existe pas encore. On a juste les épaules et l'arrière. 50 mailles, ça représente ça. C'est juste vraiment, voilà. Ici, ce coin-là n'existe pas encore. Je commence vraiment là à là. Et on va former au fur et à mesure le col. Donc voilà, je vous montre comment je l'ai fait. Après, si vous voulez l'améliorer, faites-le. Si ça vous donne des idées, allez-y. Si les manches sont les plus longues, faites-les plus longues. Si vous voulez les resserrer, resserrez-les. Si vous voulez que ici, ça soit plus long, faites-le plus long. Vous voulez que ça soit plus court, faites-le plus court. Vous voulez des poches, faites des poches. Libre à court à votre imagination. Si ça vous donne des idées, lancez-vous. Faites-vous plaisir. C'est le but de toutes les vidéos que je fais. Faites-vous plaisir. C'est pas parce que moi je ne l'ai pas fait que vous ne devez pas le faire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me poser beaucoup de questions. Je présente seulement ce que je fais. Ce que je n'ai pas fait, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre et vous dire c'est bien, c'est pas bien. Lancez-vous, faites-vous plaisir et vous verrez le résultat au final. Ici, donc je vous parlais d'une broderie. Mis où? Hop. Je vais peut-être faire des petits bonhommes de pain d'épices en broderie. Donc un petit garçon d'un côté, une petite fille de l'autre. Vu qu'on est dans le thème Noël, donc je suis pas encore arrêtée, mais j'avais trouvé ça sympa, simple. Et comme on est sur du vert marron, je vais voir si on le marron que j'ai, ça rend bien ou pas. Donc voilà, c'est des petits bonhommes en pain d'épices avant qu'on me demande, voilà ce que c'est. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire une vidéo pour la broderie. Ça prend du temps. Et comme je prépare Noël comme tout le monde, je suis un peu débordée. Je ne le cache pas. Comme tout le monde, on court après le temps. Si on pouvait l'arrêter, ça serait formidable le temps qu'on soit à jour dans tous nos préparations. Mais bon, voilà, c'est pas le cas. Donc voilà, je vous lance la vidéo, je tricote avec vous. Alors, j'ai repris ici le haut de la vidéo d'ici. Vu que c'est la même chose. Parce que le haut ici, je l'ai commencé dans le camion. En essayant de prendre un peu d'avance. Et le restant, je vous explique vraiment tout. Donc, ici, jusqu'en bas, cette fois-ci. Et les manches, comment les faire. Et je réattaque la deuxième manche aussi avec vous pour être sûr de ne pas vous perdre à ce moment-là. Donc tout est expliqué pas à pas dans la vidéo. Pour celles qui découvrent la chaîne, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur la page, il y a plus de 200 vidéos, faites-vous plaisir, c'est fait avec le cœur.
Et je vous dis à tout de suite et on attaque le gilet. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le gilet col V manche longue. Col V ici. Il se tricote d'un seul tenant. Donc on commence en haut ici et on finit en bas. Les seules coutures qu'il y aura, ça sera les manches. Comme vous pouvez le voir, juste les manches. Une fois qu'il est fini de tricoter, voilà, il est prêt à être porté. Donc le dos se présente comme ça. Donc moi j'ai pas mis de boutonnière. Vous pouvez mettre des boutonnières. J'ai toujours des boutons pression. Hop. Comme vous voyez, aucune couture sur les côtés. Donc ici, on retrouve point mousse jersey. Ici, pour le col, ça sera du point mousse avec une petite séparation. Je reprends exactement, je sais pas si pour celles qui me suivent vont me dire oui, je l'ai vu. Alors là, j'ai pas fait de broderie, j'ai pas, je viens de la finir. Donc là, j'ai pas encore fait sa petite déco, j'ai pas eu le temps. Je sais pas si je vais avoir le temps d'ailleurs. C'est ce gilet là que j'ai fait, que j'ai refait. C'est exactement la même chose, hormis ici, il n'y a pas de manche. Et qu'ici, il y a des manches. C'est exactement la même chose. Pour ceci, alors il faut que je retrouve. Hop. Gilet col V. Je reprends mes explications pour le démarrage. Pour celles qui ont fait ce gilet-là, en fait, au lieu de rabattre les manches, on les met en attente. J'ai tricoté les manches après. Beaucoup préfèrent les tricoter avant. Parce que je voulais à tout prix faire le bas dans cette couleur-là et voir ce qui me restait en laine pour pouvoir faire les manches, le jersey ici, jusqu'au bout, en vert. Comme c'est des pelotes que j'ai utilisées entamées, j'ai utilisé beaucoup de pelotes entamées, donc mon blanc ici, j'en ai eu deux qui étaient commencés, bien commencé d'ailleurs. Ici j'en ai une, mais c'est pareil, elle était plus que bien commencée aussi. Donc du coup, niveau pelote, on va dire 3, 4, parce que du coup moi ça m'en fait 4, deux blanches, enfin deux moitiés de blanches, parce qu'elles sont super bien entamées. Une entière, dont elle est où? Ah, tu l'as dit ça en bas. J'ai pas pris beaucoup dedans, donc j'aurais dit deux blanches entières et une. Après, si vous une pour ici, hein, si vous faites comme moi, et si vous faites un changement de couleur là, c'est pareil, ça sera plus deux blanches mais deux vertes. Donc, moi, je dirais trois. Trois pelotes de laine
pas évident de l'annoncer, parce que je me retrouve souvent avec des restants de laine comme ça. C'était à peu près ce niveau-là que j'ai pris mes pelotes de laine blanche. Donc, elles étaient plus que bien entamées. Je suis tombée sur un carton avec plein de pelotes de laine entamées que j'ai mis de côté. Donc je me suis dit, il faut que je les utilise à tout prix. Donc le col V1, c'est une taille 3-6 mois. Les aiguilles numéro 3 de la laine, 3-4. Ok. Je monte 50 mailles et je fais un rang au point mousse. Donc le gilet se commence ici par le col. Vous allez dire 50 mailles, c'est pas beaucoup. Donc ici, en fait, le devant n'existe pas encore. On a juste les épaules et l'arrière. 50 mailles, ça représente ça. C'est juste vraiment, voilà. Ici, ce coin-là n'existe pas encore. Je commence vraiment là à là. Et on va former au fur et à mesure le col. Donc voilà, je vous montre comment je l'ai fait. Après, si vous voulez l'améliorer, faites-le. Si ça vous donne des idées, allez-y. Si les manches sont les plus longues, faites-les plus longues. Si vous voulez les resserrer, resserrez-les. Si vous voulez que ici, ça soit plus long, faites-le plus long. Vous voulez que ça soit plus court, faites-le plus court. Vous voulez des poches, faites des poches. Libre à court, à votre imagination, si ça vous donne des idées, lancez-vous. Faites-vous plaisir. C'est le but de toutes les vidéos que je fais. Faites-vous plaisir. C'est pas parce que moi je l'ai pas fait que vous ne devez pas le faire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me poser beaucoup de questions. Je présente seulement ce que je fais. Ce que je n'ai pas fait, je sais pas. Je pourrais pas vous répondre et vous dire c'est bien, c'est pas bien. Lancez-vous, faites-vous plaisir et vous verrez le résultat au final. Ici, donc je vous parlais d'une broderie. Les mis où? Hop. Je vais peut-être faire des petits bonhommes de pain d'épices en broderie. Donc un petit garçon d'un côté, une petite fille de l'autre. Vu qu'on est dans le thème Noël, donc je suis pas encore arrêtée, hein, mais j'avais trouvé ça sympa, simple. Et comme on est sur du vert marron, je vais voir si le marron que j'ai, ça rend bien ou pas. Donc voilà, c'est des petits bonhommes en pain d'épices avant qu'on me demande, voilà ce que c'est. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire une vidéo pour la broderie. Ça prend du temps. Et comme je prépare Noël comme tout le monde, je suis un peu débordée. Je ne le cache pas. Comme tout le monde, on court après le temps. Si on pouvait l'arrêter, ça serait formidable le temps qu'on soit à jour dans tous nos préparations. Mais bon, voilà, c'est pas le cas. Donc voilà, je vous lance la vidéo, je tricote avec vous. Alors, j'ai repris ici le haut de la vidéo d'ici. Vu que c'est la même chose. Parce que le haut ici, je l'ai commencé dans le camion. En essayant de prendre un peu d'avance. Et le restant, je vous explique vraiment tout. Donc ici, jusqu'en bas, cette fois-ci. Et les manches, comment les faire? Et je réattaque la deuxième manche aussi avec vous pour être sûr de ne pas vous perdre à ce moment-là. Donc tout est expliqué pas à pas dans la vidéo. Pour celles qui découvrent la chaîne, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner.
N'hésitez pas à aller sur la page, il y a plus de 200 vidéos, faites-vous plaisir, c'est fait avec le cœur. Et je vous dis à tout de suite et on attaque le gilet. Du coup, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé avec une pelote déjà entamée. Hein. Hop. Comme vous pouvez le voir. Allez, hop. C'est des bêtises. Pour le gilet col V. Donc, j'ai utilisé les aiguilles 3. De la laine 3-4. Hein. Comme d'habitude, c'est celle-là. Sauf que j'avais une pelote de commencer. Donc, je vais la terminer. Du coup, j'ai monté 50 mailles. Et j'ai fait un rang au point mousse. Qui est là. Puis de démarrage est là. J'ai fait mon rang au point mousse. Et là... Donc, je ne sais pas si vous voyez, mon rang du point mousse est là, il est fait. Donc, mon fil de démarrage se trouve ici. Et là, on va commencer les augmentations. Donc, faites bien votre rang, votre premier rang. Moi, je l'ai déjà fait. Et parce que je vais vous expliquer les augmentations. Il y a un rang. Puis, je vais vous expliquer le deuxième rang. Ces deux rangs-là seront à répéter plusieurs fois pour obtenir 114 mailles, si mes calculs sont bons. Je reviendrai de toute façon vers vous pour vous dire combien exactement, normalement, j'ai compté 114 mailles. Mon premier rang, c'est je tricote une maille. Donc, c'est à l'endroit. Le premier rang, tout est à l'endroit. Je fais une augmentation. Je mets un marqueur. Hop. Donc, j'ai pas préparé, bien évidemment. Un marqueur. OK. M marqueur. Deux mailles à l'endroit. Le marqueur, une augmentation. 10 mailles. Augmentation. Marqueur. 2 mailles. Marqueur. Augmentation. 20 mailles. Augmentation. Marqueur, 2 mailles, marqueur, augmentation, 10 mailles, augmentation, marqueur, 2 mailles, marqueur, augmentation, et une maille. Ça, c'est le rang numéro 1 qu'on va faire ensemble. Je reviens, je prépare mes marqueurs. J'ai préparé mes 8 marqueurs. Du coup, on commence. Hop. Comme on a dit, une maille. Je tricote. Enfin, c'est une, pour moi, ça sera une maille lisière. Donc, je ne la tricote pas, je la fais glisser. Donc, ça me fait une maille. J'ai dit une augmentation. Donc, en fait, je prends mon fil et je fais une boucle. Vous faites comme vous voulez l'augmentation. Moi, je la fais comme ça, parce que je ne veux pas de petits trous. Et vous allez comprendre pourquoi en suivant la vidéo. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je mets un marqueur. D'accord ? Je tricote 2 mailles. Donc là, c'est un rang tout à l'endroit. 1, 2. Je mets un marqueur. Je fais une augmentation. Et là, je tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que j'ai fait mes 10 mailles, je fais une augmentation. Donc, je prends mon fil, je le tourne
et je passe mon aiguille à l'intérieur. Je mets un marqueur. Je tricote deux mailles. Une, deux. Je mets un marqueur. Je fais une augmentation. Une fois que mon augmentation est faite, je tricote 20 mailles. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que j'ai tricoté mes 20 mailles, je fais une augmentation. Je mets un marqueur. Je tricote 2 mailles. Une et deux. Je mets un marqueur. Je fais une augmentation. Une fois que mon augmentation est faite, je tricote 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une augmentation que j'oublie pas. Je passe le marqueur. Je tricote deux mailles. Une, deux. Je passe le marqueur. Et hop, sans perdre la maille si possible. Hop. Je fais une augmentation. Et je tricote la dernière maille. Ok. Là, comment se présente le travail. Ok. Je tourne mon travail. Je tire un peu de fil. Hop. Mon fil de démarrage se retrouve ici. Quand mon fil de démarrage se trouve ici, ça sera l'envers du travail. D'accord? Donc là, le premier rang qu'on a fait d'augmentation, c'est le rang en droit. Ici, c'est le rang envers. Le deuxième rang, c'est deux mailles en droit. Donc les deux mailles ici. On passe le marqueur. Deux mailles envers. Donc toutes les mailles qui se trouvent, les deux mailles entre les marqueurs, on les tricotera tout le temps à l'envers. 12 mailles en droit, on passe à 2 mailles envers, 22 mailles en droit, 2 mailles envers, 12 mailles en droit, 2 mailles envers, et on termine par 2 mailles en droit. Si on a 2 mailles ici, on doit avoir 2 mailles là-bas. D'accord? Donc, faites bien attention de pas oublier de faire vos mailles à l'envers. Donc, maille lisière pour moi, première maille. Mon augmentation, hop, je la tricote à l'endroit. Je passe le marqueur. Et là, mes deux mailles ici, je les tricote à l'envers. Une et deux. Je passe mon marqueur. Les mailles suivantes se tricotent à l'endroit. Donc, j'ai peut-être un peu serré mon augmentation. Hop.
On va se retrouver normalement avec 22 mailles, vu qu'il y a une augmentation ici et une augmentation à la fin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 plus 2, ça fait 12. J'étais déjà arrivé plus loin. Je suis désolée. Une fois que mes mailles ici sont tricotées, je passe le marqueur. Les deux mailles ici à l'envers. Une et deux. Je passe le marqueur. Et ici, j'ai mes 20 mailles plus une augmentation ici. Et l'augmentation ici, ça me fera 22 mailles. L'augmentation, donc j'ai bien serré, c'est bien magnifique. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la dernière, l'augmentation, 22. Je passe mon marqueur, j'ai les deux mailles à l'envers. Une et deux. Je passe mon marqueur. Et ici, donc j'ai 12 mailles que je tricote à l'endroit. Et bien sûr, j'ai bien serré mon premier rang. Super. Hop là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et la dernière 12. Je passe mon marqueur. Là, j'ai mes deux mailles, donc je les tricote à l'envers. Une et deux. Je passe mon marqueur et les deux autres mailles, je les tricote à l'endroit. Une et deux. Voilà les deux rangs qu'on va faire jusqu'à obtenir 114 mailles. On recommence. Premier rang. J'ai senti une résistance, je crois qu'il se défaissait. Je tricote mes deux mailles. Une, deux. Je fais une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote deux mailles à l'endroit. Une, deux. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je tricote toutes les mailles. Donc, il y en avait 12. Une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote deux mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je tricote. Il y avait 22 mailles.
une augmentation. Je passe le marqueur et je tricote deux mailles à l'endroit. Une et deux. Je passe le marqueur. Ici, une augmentation. Et je tricote les 12 mailles. Or, les 12 mailles correspondent ici à la manche. Une augmentation. Je passe le marqueur. Deux mailles à l'endroit. Une et deux. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et bien sûr, je perds mes mailles. Hop. Et je termine par mes deux mailles. Une. Et deux. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et quand vous avez votre fil de démarrage qui est là, ça veut dire que les deux mailles qu'il y a ici entre chaque marqueur, faut les tricoter à l'envers. Pour savoir où vous en êtes dans votre travail. Si vous l'avez posé, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, je tricote mes trois mailles avec l'augmentation qui est ici. Je passe le marqueur. Ici, donc deux mailles à l'envers. Une, deux. Je passe le marqueur. Je tricote à l'endroit. Là, on tricote les augmentations qu'on a faites. Donc, en tout, on a 14 mailles. Je passe le marqueur. Ici, je suis avec les deux mailles, donc à l'envers. Une, deux. Je passe le marqueur. Ici, je repasse à l'endroit. Mon augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote les deux mailles à l'envers. Je passe le marqueur et je passe et je continue à tricoter donc les mailles à l'endroit. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize et quatorze. Je passe mon marqueur. Les deux mailles, je les tricote à l'envers. Une et deux. Je passe le marqueur. Et ici, je termine par trois mailles à l'endroit. Si elle veut bien, elle n'a pas l'air de vouloir. Une, deux. Et 3. Voilà. Et vous voyez que hop, fil de démarrage est là. On a le point mousse, la séparation avec du jersey. Donc ici, ça va continuer à augmenter. La séparation du devant
avec la manche, elle se fait ici. La manche, l'arrière, c'est ici. Donc là, ça va être le dos. La séparation, elle est là. La manche, séparation avec les deux mailles en jersey. Et ici, on va continuer à augmenter pour faire le devant. Voilà comment il se présente. Donc, on continue à augmenter. Normalement, on obtient 114 mailles. Une fois que vous avez vos 114 mailles, on se retrouve. Alors, je ne sais plus si c'est l'équivalent de 5 mailles ici ou 7. Je ne sais plus. Je reviendrai vers vous et je vous dirai combien de mailles je me retrouve ici. D'accord? À tout de suite. J'ai préparé mes 8 marqueurs. Du coup, on commence. Hop. Comme on a dit, une maille. Je tricote. Enfin, pour moi, ça sera une maille lisière, donc je ne la tricote pas, je la fais glisser. Donc ça me fait une maille. J'ai dit une augmentation. Donc en fait, je prends mon fil et je fais une boucle. Vous faites comme vous voulez l'augmentation. Moi, je la fais comme ça, parce que je ne veux pas de petits trous. Et vous allez comprendre pourquoi en suivant la vidéo. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je mets un marqueur. D'accord? Je tricote deux mailles. Donc là, c'est un rang tout à l'endroit. Une, deux. Je mets un marqueur. Je fais une augmentation. Et là, je tricote 10 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9 et 10. Une fois que j'ai fait mes 10 mailles, je fais une augmentation. Donc je prends mon fil, je le tourne et je passe mon aiguille à l'intérieur. Je mets un marqueur. Je tricote 2 mailles. Une, deux. Je mets un marqueur. Je fais une augmentation. Une fois que mon augmentation est faite, je tricote 20 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que j'ai tricoté mes 20 mailles, je fais une augmentation. Je mets un marqueur. Je tricote 2 mailles. Une et deux. Je mets un marqueur. Je fais une augmentation. Une fois que mon augmentation est faite, je tricote 10 mailles. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une augmentation que j'oublie pas. Je passe le marqueur.
Je tricote 2 mailles. 1, 2, je passe le marqueur et hop, sans perdre la maille si possible, hop, je fais une augmentation et je tricote la dernière maille. Ok? Voilà comment se présente le travail. Ok? Je tourne mon travail. Je tire un peu de fil. Hop. Mon fil de démarrage se retrouve ici. Quand mon fil de démarrage se trouve ici, ça sera l'envers du travail. D'accord? Donc là, le premier rang qu'on a fait d'augmentation, c'est le rang en droit. Ici, c'est le rang en vert. Le deuxième rang, c'est 2 mailles en droit. Donc les 2 mailles ici. On passe le marqueur, 2 mailles en vert. Donc toutes les mailles qui se trouvent, les 2 mailles entre les marqueurs, on les tricotera tout le temps à l'envers. 12 mailles en droit, on passe à 2 mailles en vert, 22 mailles en droit, 2 mailles en vert, 12 mailles en droit, 2 mailles en vert, et on termine par 2 mailles en droit. Si on a 2 mailles ici, on doit avoir 2 mailles là-bas. D'accord? Donc, faites bien attention de pas oublier de faire vos mailles à l'envers. Donc, maille lisière pour moi, première maille, mon augmentation, hop, je la tricote à l'endroit, je passe le marqueur, et là mes 2 mailles ici, je les tricote à l'envers. 1 et 2. Je passe mon marqueur. Les mailles suivantes se tricotent à l'endroit. Donc, j'ai peut-être un peu serré mon augmentation. Hop. On va se retrouver normalement avec 22 mailles, vu qu'il y a une augmentation ici et une augmentation à la fin. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 plus 2, ça fait 12. J'étais déjà arrivé plus loin. Je suis désolée. Une fois que mes mailles ici sont tricotées, je passe le marqueur. Les 2 mailles ici à l'envers. 1 et 2. Je passe le marqueur et ici j'ai mes 20 mailles plus une augmentation ici et l'augmentation ici, ça me fera 22 mailles. Donc, l'augmentation dont j'ai bien serré, c'est bien magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la dernière, l'augmentation, 22. Je passe mon marqueur, j'ai les 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Je passe mon marqueur. Et ici, donc j'ai 12 mailles que je tricote à l'endroit. Et bien sûr, j'ai bien serré
Mon premier rang, super. Hop là. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et la dernière, 12. Je passe mon marqueur. Là, j'y mets deux mailles, donc je les tricote à l'envers. Une et deux. Je passe mon marqueur et les deux autres mailles, je les tricote à l'endroit. Une et deux. Voilà les deux rangs qu'on va faire jusqu'à obtenir 114 mailles. On recommence. Premier rang. J'ai senti une résistance, je crois qu'il se défaissait. Je tricote mes deux mailles. Une, deux. Je fais une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote deux mailles à l'endroit. Une, deux. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je tricote toutes les mailles. Donc, il y en avait 12. Une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote deux mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je tricote. Il y avait 22 mailles. Une augmentation. Je passe le marqueur et je tricote deux mailles à l'endroit. Une et deux. Je passe le marqueur. Ici, une augmentation. Et je tricote les 12 mailles. Or, les 12 mailles correspondent ici à la manche. Une augmentation. Je passe le marqueur. Deux mailles à l'endroit. Une et deux. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et bien sûr, je perds mes mailles. Hop. Et je termine par mes deux mailles. Une et deux. OK? Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Et quand vous avez votre fil de démarrage qui est là, ça veut dire que les deux mailles qu'il y a ici entre chaque marqueur, faut les tricoter à l'envers pour savoir où vous en êtes dans votre travail, si vous l'avez posé ou vous savez plus où vous en êtes. Donc, je tricote mes trois mailles avec l'augmentation qui est ici. Je passe le marqueur ici, donc deux mailles à l'envers, une. Deux, je passe le marqueur,
je tricote à l'endroit. Là, on tricote les augmentations qu'on a faites. En tout, on a 14 mailles. Je passe le marqueur. Ici, je suis avec les deux mailles, donc à l'envers. Une, deux, je passe le marqueur. Ici, je repasse à l'endroit. Hop. Mon augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote les deux mailles à l'envers. Je passe le marqueur et je passe et je continue à tricoter donc les mailles à l'endroit. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize et quatorze. Je passe mon marqueur. Les deux mailles, je les tricote à l'envers. Une et deux. Je passe le marqueur. Et ici, je termine par trois mailles à l'endroit. Si elle veut bien, elle n'a pas l'air de vouloir. Une, deux. Et 3. Voilà. Et vous voyez que hop, fil de démarrage est là. On a le point mousse, la séparation avec du jersey. Donc ici, ça va continuer à augmenter. La séparation du devant avec la manche, elle se fait ici. La manche, l'arrière, c'est ici. Donc là, ça va être le dos. La séparation, elle est là. La manche, séparation avec les deux mailles en jersey. Et ici, on va continuer à augmenter pour faire le devant. Voilà comment il se présente. Donc, on continue à augmenter. Normalement, on obtient 114 mailles. Une fois que vous avez vos 114 mailles, on se retrouve. Or, je ne sais plus si c'est l'équivalent de 5 mailles ici ou 7. Je ne sais plus. Je reviendrai vers vous et je vous dirai combien de mailles je me retrouve ici. D'accord ? À tout de suite. J'ai obtenu mes 114 mailles et là, je suis sur l'endroit du travail. On voit ici le jersey. D'accord ? Et mon marqueur est ici. À partir de maintenant, on va rajouter pour ce qu'on va continuer à augmenter. Et comment on va continuer à augmenter ? Il va falloir faire la bordure. Donc, pour délimiter la bordure, on va rajouter deux marqueurs pour... Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je suis sur l'envers du travail. Ici. D'accord ? Donc, il n'y a plus d'augmentation. Là, il n'y a pas d'augmentation. Là, on tricote les deux mailles à l'envers. D'accord ? Donc, sur l'envers du travail, on va rajouter ceci.
Donc là, je fais une maille, deux mailles, trois mailles, quatre, cinq, six et sept. Je tricote sept mailles. Et là, je mets mon marqueur. Ça, c'est ma bordure. Et pour délimiter ma bordure, je ne tricote pas ma maille comme ceci. Je ne la prends pas pour la tricoter là. Je prends en dessous. Je sais pas si vous voyez. Normalement, ma maille, je la prends comme ça et je la tricote. OK? Là, c'est pas ce que je vais faire. Je passe ici en dessous. Vous voyez? Hop, en dessous. Et je la tricote. Ça fait deux fils à cet endroit-là. Une fois que j'ai fait ça, je fais une augmentation. C'est trop serré un peu mon augmentation là. J'ai voulu faire au ralenti un peu souple, mais hop, on dézoome. Donc là, on a tricoté en dessous, on a fait une augmentation. Cette maille-là, donc c'est l'augmentation. Je fais pas d'augmentation ici, ni godouille. Donc là, je la tricote à l'envers. Et je tricote la maille suivante. Les augmentations, c'est pas de ce côté-ci. Je passe mon marqueur. Ici, deux mailles à l'envers. Une. Et deux. OK. Je passe mon marqueur. Ici, on tricote à l'endroit. Encore serrer un peu ma maille ici. Hop. J'essaye de trouver une position. Voilà. Donc on tricote toutes les mailles à l'endroit. Hop. Bon, si je la prenais bien. Voilà, je passe le marqueur. Les deux mailles à l'envers. Ça ne change absolument pas. On passe le marqueur. Ici, on passe les mailles à l'endroit. Donc, mon augmentation de tout à l'heure. L'augmentation ici, hop. Je passe mon marqueur, donc les deux mailles à l'envers. Je passe mon marqueur à l'endroit.
l'augmentation. Je passe le marqueur. Deux mailles à l'envers, une et deux. Je passe le marqueur. Et ici, je compte 2, 4, 6, 7. Donc là, je tricote une maille. Donc ça, c'est l'augmentation de tout à l'heure. Et là, je refais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne tricote pas la maille par là, mais je passe en dessous. OK? Et je la tricote. Et je fais ma maille qui est là, je la fais glisser. OK? Une fois que j'ai fait ça, il me reste 2, 4, 6, 7 mailles. Ça sera mes 7 mailles de bordure. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. Hop. Je mets mon marqueur. Il y aura toujours 7 mailles ici, quoi qu'il arrive. Ces 7 mailles-là ne bougeront plus. Hop. Je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis dans une position, je ne sais pas comment j'ai mis encore ma caméra, mais je vois pas du tout, je n'ai pas ma position initiale. Voilà. Là, j'ai mis un peu plus haute, mais au final, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, on va descendre un chouille. Hein, pour que je trouve un axe où mettre ma tête pour voir ce que je fais. Une fois que j'ai fait ça, là, on se retrouve sur le devant. On va tricoter. Elle m'embête en fait la caméra. Hop. On va tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe notre marqueur. D'accord? Ça, c'est notre maille tout à l'heure qu'on a tricoté en dessous. Cette maille-là, on va la tricoter à l'envers. Elle sera toujours tricotée à l'envers. Et c'est là qu'on fait une augmentation. On tricote la maille ici. Et on refait une augmentation. Comme tout à l'heure, un marqueur, on tricote les deux mailles à l'endroit, passe le marqueur, une augmentation, on tricote tout à l'endroit, une augmentation, on passe le marqueur, ici deux mailles à l'endroit, une et deux, on passe le marqueur et une augmentation. On tricote toutes les mailles,
une augmentation. Je passe le marqueur, les deux mailles à l'endroit, une et deux. Le marqueur, une augmentation. Et on continue à tricoter tout à l'endroit. Le restant des mailles. Une augmentation, un marqueur, deux mailles à l'endroit, une, deux, un marqueur, une augmentation, hop là, on tricote une maille, ici on aura une augmentation. Et la maille ici, on la tricote à l'envers. On passe le marqueur et on tricote toutes les mailles, les 7 dernières mailles à l'endroit. On tourne notre travail. Alors, je vais faire plusieurs fois avec vous hein, pour que vous compreniez bien. Parce que j'ai mis du temps à comprendre aussi. Hein, il a fallu que je le tricote pour comprendre ce qu'on était en train de faire. Donc, on tricote les 7 mailles bordures. Je passe le marqueur. Cette maille-là, je la tricote à l'endroit. Je ne la prends pas du tout par le brin ici. Je prends par en dessous. Ok, donc je prends en dessous et la maille, je la fais glisser. Ça me fait deux brins sur ma maille en fait. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc c'est une maille en dessous. Ici, j'ai une augmentation que je tricote. La maille là qu'on vient de tricoter, c'est la séparation de la bordure et le devant de la brassière en fait. D'accord? Comme partout on fait une augmentation pour bien séparer tout, là ça sera pareil en fait. Donc ici j'ai mon augmentation, ma maille normale, notre augmentation. On passe le marqueur. Ici, j'ai les deux mailles à l'envers. Je passe le marqueur. Ici, on passe à l'endroit. Comme on a fait tout à l'heure, jusqu'à présent. Ça ne change pas. Seule chose que j'ai rajoutée, qu'on rajoute en fait, c'est la séparation de la bordure avec le devant du gilet. Délimiter en fait la bordure et le devant du gilet. Bien sûr, si on fait ça d'un côté, on le refait aussi de l'autre. Pour avoir quelque chose d'équilibré. Donc là, on tricote la manche. L'augmentation, je passe le marqueur, ici on est
deux mailles à l'envers, 1, 2. On a notre fil de démarrage qui est là, donc ça veut dire que les mailles, les deux mailles entre les marqueurs sont à tricoter à l'envers. Ok? Ça peut être un point de repère quand on pose notre travail, de ne plus savoir ce qu'on doit tricoter. Moi, c'est des petits points de repère que je me donne pour savoir où j'en suis et ce que j'ai à faire. Alors, ces deux rangs-là, je ne les ai pas notés. Je ne savais pas trop comment noter, c'est pas très simple. Je me suis un peu mélangé les pinceaux en voulant essayer de mettre ça sur papier. C'est pas toujours facile. L'augmentation. Je passe mon marqueur. Deux mailles à l'envers. Une et deux. Je passe le marqueur et on retourne sur des mailles en droit. Je ne sais pas pourquoi je serre comme ça mes augmentations. Je veux pas de petits trous, certes, mais quand même. On tricote jusqu'au marqueur. Hop, le dernier. Je passe, hop, le marqueur. Je tricote les deux mailles à l'envers. Une, deux. Je passe le marqueur. Ok, ici, on tricote 1, 2, 3 mailles. Donc les 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Celle-ci, du coup, on ne la tricote pas par là, mais en dessous, à l'endroit. D'accord? Ce qu'on fait ici, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ici, je passe mon marqueur et je tricote les 7 mailles de la bordure. Je tourne mon travail. Et on recommence. Hop. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Donc on fait les augmentations. Ici. Donc on va tricoter jusqu'au marqueur. Donc là, c'est la bordure. Je passe un marqueur, d'accord? Cette maille-là qu'on a tricotée tout à l'heure ici, en dessous, on la tricote à l'envers. On fait une augmentation. On tricote les mailles, d'accord?
une augmentation. Je passe le marqueur, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, le marqueur, une augmentation. On tricote tout à l'endroit. Une fois qu'on arrivait là, une augmentation. Hop, il est parti. On passe le marqueur. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Passe le marqueur. Une augmentation. Et on continue à tricoter tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Une augmentation, je passe le marqueur, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, je passe le marqueur, hop. Une fois passé le marqueur, je fais une augmentation et je continue à tricoter tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. On arrive au marqueur, une augmentation. Je passe le marqueur, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur, une augmentation. Je tricote les mailles, donc les 3 mailles. Cette maille-là, je la tricote. Alors, une augmentation que j'oublie pas. Une augmentation et cette maille là je la tricote à l'envers. C'est la séparation de ma bordure. Je passe le marqueur et je tricote les 7 mailles tout à l'endroit. Les 7 mailles de ma bordure. Voilà. Alors, hop, pour que vous compreniez, hop, hop, ça qui est pratique avec hop, les circulaires, parce que mon fil n'est pas assez grand. Voilà, grosso modo, ce que ça donne. Hop. Donc ici, on a grandi. Ici, pareil. Donc là, c'est les manches. Ça, c'est le dos. Et vous voyez, hein, la pointe, ici, hein, ça, c'est la bordure. Et ce qu'on... Donc là, vous voyez, hein, votre bordure, elle est là. Et là, ce qu'on est en train de tricoter ici, hein, c'est l'avant. Donc, automatiquement, il va s'agrandir. Parce que, comme on fait hein, une pointe, hein, donc du V, hein, donc ici, hein, ça va partir
l'augmentation qu'on fait là, ça part là. L'augmentation qu'on fait là, ça part là. Comme ici, vous faites une augmentation ici, une augmentation là, donc ça agrandit comme ça. Et bien ici, hein, ce petit V là, entre ce marqueur là et là, c'est pour ça qu'on fait une augmentation ici, ça n'a pas bougé, et qu'on a rajouté une augmentation ici, pour faire la pointe du devant, pour délimiter, en fait, ici, la bordure. D'accord? Parce que vous voyez, donc on a la séparation, ici la bordure, et ici on commence seulement à faire le devant, petit triangle là. Si vous regardez bien votre tricot, hein, là et là, entre les deux, vous avez un tout petit triangle, et ça c'est le devant de votre brassière avec la bordure. En fait, on n'a pas grand-chose pour le moment. D'accord? Donc, il va falloir continuer serrant. J'espère que vous avez compris ce que j'étais en train de vous tricoter. J'ai mis du temps, moi, à comprendre ce système. J'étais un peu perdue, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, c'est très simple. Quand on a compris ce qu'on tricotait. Tant qu'on n'a pas compris, c'est un peu charabia et du coup on fait pas ce qui est demandé parce qu'on n'a pas compris pourquoi. Donc là on est sur l'envers. Donc ça veut dire que toutes mes deux mailles ici sont à tricoter à l'envers. Hop, non, ma bordure à l'endroit. Donc, j'y mets 7 mailles. Ok, ça, je passe là. Celui-là, on ne tricote pas par là, mais on tricote en dessous. Une maille à l'endroit. Et on lâche. Ok? Une fois qu'on a ça, ici, on tricote à l'endroit. Une, deux, ici 4, là on a l'augmentation, hop, passe le marqueur, ici on tricote à l'envers, 1, 2, on passe le marqueur, on tricote les mailles à l'endroit. Moi, j'ai tendance à serrer ces mailles, je sais pas, ou c'est mon aiguille qui est arrondie, du coup j'ai du mal à passer. D'habitude ça fonctionne, j'arrive très bien. Je trouve que je galère à tricoter mes augmentations. Mais elles sont un peu plus arrondies, ces mes aiguilles là en 3. Sont un peu moins pointues et du coup ça passe difficilement entre les laines. En 3,5, elles sont un peu plus pointues, ça passe beaucoup mieux. Surtout que j'ai des aiguilles arrondies, moi j'ai je sais pas, je galère. Je pique pas au bon endroit. Du mal à les faire passer. Hop. Désolé, deux mailles à l'envers, on passe le marqueur et on continue à tricoter à l'endroit. Hop. Et on va continuer ainsi jusqu'à obtenir en centimètres ce qu'on veut. Si je vous dis ça, et c'est pour ça que j'ai pas mis non plus la taille, parce que le démarrage, on peut continuer comme ceci pour faire. Donc le démarrage pour le 3 mois,
3-6 mois, voire jusqu'à 1 an, tout dépend du gabarit du bébé. Hein. Mais le démarrage, on peut très bien le faire comme ceci. Hein. Ben, moi, j'aurais dit jusqu'à 9 mois. Faire le démarrage comme ça, et au lieu de faire 10 cm pour du 3 mois, rajouter 12, 14, 16, et ainsi de suite. Je pense que pour du 6-9 mois, enfin, au-dessus de 6 mois, j'aurais dit de prendre une aiguille 3,5, faire la même chose, vu que la taille de l'aiguille, elle est un petit peu plus grande, donc ça fera une taille beaucoup plus grande. Et suivant la laine que vous utilisez aussi. Plus votre laine elle est fine, plus il sera petit, plus votre laine elle est grosse, plus il sera plus grand. Les mensurations seront plus du tout les mêmes à la fin. Le choix de l'aiguille et le choix de la laine changent beaucoup au niveau des mensurations après. Tout dépend comment vous tricotez. Ça fait aussi pour quelqu'un. Ah, bah décidément. Pour quelqu'un qui tricote très très serré, hein, vaut mieux prendre une aiguille au-dessus. Quelqu'un qui tricote très très lâche, vaut mieux prendre une taille en dessous. Pour essayer de récupérer en fait, pour avoir à peu près les mêmes dimensions que ce qu'on vous explique. Hop. Mon augmentation ici. Je passe mon marqueur. Pourquoi il est ouvert, lui? Et je tricote donc les deux mailles à l'envers. Une et deux. Je passe mon marqueur. Ici, je tricote à l'endroit. Deux, trois, quatre, l'augmentation. Je vais passer en dessous encore. Ma maille ici, je ne la tricote pas en haut, mais en dessous. Je passe mon marqueur et là, je tricote mes 7 dernières mailles. Là, on était sur l'envers du travail. On tourne notre travail et on continue comme on a fait. J'espère que vous avez compris. Hop. Donc, on tricote. La bordure. Passe le marqueur. Ici, cette maille-là, on la tricote à l'envers. On fait une augmentation. Et on tricote les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote les deux mailles à l'endroit. Je passe un marqueur, une augmentation, et je tricote toutes les mailles jusqu'au prochain marqueur.
Oui, je déroule un peu mon fil, ça tire. J'arrive au marqueur, donc une augmentation. Hop. Ah, je déroule. Oh là. Je tape dans tout, moi, ici. Hop. Hop. Donc, j'ai fait mon augmentation. Je passe le marqueur. Donc, ici, je fais 2 mailles à l'endroit. Une, deux. Je passe mon marqueur. Une augmentation. Hop, hop, hop. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je tricote tout à l'endroit. Je fais mon augmentation, je passe le marqueur, 2 mailles à l'endroit, je passe le marqueur, une augmentation, et je continue à tricoter jusqu'au prochain marqueur, tout à l'endroit. Ici, j'arrive au marqueur, je fais une augmentation. Une fois que l'augmentation est faite, je passe le marqueur. Je tricote les 2 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Une augmentation. Une fois que l'augmentation est faite, on tricote les mailles sans oublier d'en garder une avant le marqueur, celle-ci, que je tricote à l'envers, alors non, une augmentation, puis je la tricote à l'envers. Je passe le marqueur et là, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Hop. Une fois que j'ai fait ça, hop, soupe, je suis en train de marcher sans ma laine, d'accord. Tourne notre travail et on continue. Donc, ma maille lisière. Hop. Je passe mon marqueur. Ici, je tricote pas là, mais je tricote là. Ici, j'ai mon augmentation.
Je pense que mes pointes, elles sont pas assez pointues et j'ai pour ça que je galère à les attraper. Hop. Je passe mon marqueur et ici, deux mailles à l'envers. Je passe le marqueur ici à l'endroit. Je fais ce dernier rang là avec vous. J'espère que vous aurez compris. Et on continue jusqu'à l'obtention de la dimension souhaitée. Moi, je souhaite m'arrêter à 10 cm. Donc, je reviendrai vers vous pour vous montrer. Hop. Pourquoi je passe à côté? Hop, je passe mon marqueur, deux mailles à l'envers. Je passe le marqueur. Okay, hop. Tricote, l'augmentation. L'augmentation. Hop, passe le marqueur, deux mailles à l'envers, une, deux, passe le marqueur, hop, l'augmentation. Et on continue à tricoter jusqu'au prochain marqueur. Je reste encore dans le cadran. Alors moi, j'ai pas compté les nombres de mailles à combien j'en suis. Je crois que c'est 134 mailles en tout. De toute façon, je vais bien voir suivant les centimètres. Pour avoir la hauteur que je souhaite, en fait, une, deux mailles à l'envers, on fait le marqueur, l'augmentation ici, hop, l'autre augmentation. Ici, je tricote pas en haut mais en bas, la maille en dessous. Voilà. Je passe le marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, voilà ce que ça donne. Sur le devant.
Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Hop. Je vais zoomer. Là. La maille qu'on fait à l'envers et qu'on tricote en dessous fait une petite délimitation qu'on voit, mais vraiment à vue d'œil. Ça, c'est le devant du travail. Vous voyez, ici, c'est le jersey qui délimite bien la manche, l'arrière de la brassière, enfin du gilet. Là, la manche est là. Et vous voyez, hein, on délimite bien l'avant. C'est pas encore flagrant, flagrant, mais ça se voit légèrement. Voilà, ici. Et sur l'envers du travail, ça donne ça. On est là. D'accord? Alors, j'aurais pu mettre ça devant. Mais là, je voulais faire un petit motif un petit peu creusé, hein, que ça se voit, voilà. Donc, on continue comme ça. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je pense une vingtaine, 21 barres. Après, moi, ce que je vais faire, hop, donc déjà, mettre bien à plat comme ça. Mon maître, bah oui, comme à son habitude. Prendre ici à l'intérieur, donc je me place sur mes deux points de jersey. Là, je suis à 6 cm et je vais tricoter jusqu'à obtenir 10 cm. Hop, donc là, ce sera pareil. Là, je suis à 6, donc je vais essayer d'obtenir, hop. Faut bien se mettre sur les deux mailles qui sont en jersey. Vous le mettez bien à zéro là-haut. Et là où ça vous fait 6 cm pour ma part. Et moi, je vais tricoter jusqu'à obtenir 10 cm. Et une fois obtenu mes 10 cm, je reviens vers vous pour vous expliquer la suite, donc la séparation entre les manches et le corps. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce gilet colvé. J'ai pas, parce que comme j'étais dans le camion, du coup, j'ai recommencé le gilet. Je l'ai pas filmé. Par contre, le gilet que je vous présente, ça sera un gilet à manches. Donc, je repars sur le démarrage de ce gilet-là. C'est-à-dire, donc c'est la même taille, exactement la même chose. Hop. Que je ne fasse pas de bêtises. Le gilet. Hop. Le gilet au col V. C'est une taille 3-6 mois qu'on tricote aux aiguilles 3 de la laine 3-4. Ok. On reprend tout le début. Donc, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver le démarrage. Je crois que je l'ai dû la faire en deux vidéos parce que j'ai eu un bug. J'ai pas pu mettre tout sur la même vidéo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il ramait et en faisant séparer, j'ai réussi à faire la vidéo. Du coup, vous allez refaire ce qui est ici en blanc.
Vous allez voir, à un moment donné, hop, ici, on prend la mesure. C'est pas forcément évident. Ici, il y a le jersey qui fait la séparation. Je suis en train de chercher mon mètre. Et donc, je vous demande de mesurer et je suis à 10 cm, 10 cm de diagonale, ok, sur le jersey ici, d'accord. Et je vous dis à ce moment-là, on va séparer. Donc ici, on est sur le devant. De là à là, on est devant. De là à ici, on est sur la manche qu'on va mettre de côté. De là à ici, on est sur le dos. De là à ici, c'est la deuxième manche. Et de là à là, on est sur l'avant du tricot. OK? Dans la vidéo ici, on rabat les manches. Là, on va pas les rabattre. On va les mettre de côté. C'est-à-dire que, hop, je suis où? Je suis là. C'est dans l'autre sens. Hop, si je ne prends pas déjà dans le bon sens. Donc, je suis ici. On ne fait plus d'augmentation terminée. On tricote normalement. Donc, je fais une, deux, trois. 4, 5, 6, 7. J'ai mon marqueur. Ici, alors, j'ai fait le motif à l'envers. Et ça, j'ai pas filmé. Ici, le renfoncement qu'il y a là, je l'ai fait à l'intérieur. Donc sur le devant de mon tricot, je me retrouve avec le motif que j'avais ici à l'intérieur. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée en le refaisant. Donc j'ai mélangé les deux, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'étais pas du tout à ce que j'étais en train de faire. Je viens seulement que de m'en rendre compte en reprenant mon gilet ici à la maison, où je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. Donc ici, normalement, vous prenez en dessous et vous le tricotez. Sauf que là, moi, j'ai fait dans l'autre sens. Donc ici, c'est une maille à l'envers pour ma part. D'accord? Pour continuer mon motif. Je sais plus. Je sais plus. Parce que là, j'ai que. Si j'ai les deux fils, j'ai le voilà et là. Donc c'est ça. C'est une maille à l'envers sur l'envers du travail. Voilà. Ici, on est sur des mailles à l'endroit. Donc, il n'y a plus d'augmentation. Donc, je n'augmente plus. Là, je vais continuer mon col tout droit. Je continue à tricoter tout à l'endroit. Jusqu'à mon marqueur.
Mon marqueur, je l'enlève. Et j'ai mes deux mailles. J'en prends une que je tricote à l'endroit. OK. Hop. Et là, je prends un arrête-maille. Beaucoup aiment bien tricoter les manches avant. Et du coup, là, je vais faire les manches après. Donc, je récupère ma maille. Hop, j'enlève mon marqueur. Et je vais passer. Alors, l'autre gilet, c'est là où on rabattait nos mailles. Et là, moi, je mets mes mailles en attente. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, j'espère que vous avez les comprendre. Parce que du coup, je sais pas si je vais... si ça va fonctionner en vous faisant galoper d'une vidéo à l'autre. Hop. Parce que là, j'ai monsieur voulu avancer hein, et j'ai voulu reprendre mon démarrage de gilet, mais je sais pas, ça bug. Alors, du coup, je me suis dit, tant pis, on va faire ça comme ça. J'avais pas encore fait le montage et je pensais que ça allait fonctionner, mais apparemment non. Je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève. Je prends une maille. Et je ferme. Ma manche est mise de côté. OK? Hop. Bien sûr, je suis toujours pas dans le cadran. Je ne sais pas ce que j'ai là en ce moment. Je ne suis plus dans le cadran. Une fois que j'ai fait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on rajoute ces 3 ou 4 mailles, je ne sais plus. Je vais en rajouter 3. Une. Deux. Allez hop, on est parti pour 4. On sera plus à l'aise. Hop, 4. Je rajoute les 4 mailles. Je récupère l'autre morceau. Zoup. J'ai mes 4 mailles et je continue à tricoter. Bien sûr, toujours pas dans le cadran. Ma maille ici, j'enlève mon marqueur, je récupère le restant des mailles pour aller jusqu'au prochain marqueur. Donc, tous les mailles à l'endroit.
On y est presque. J'enlève un marqueur. Bien sûr, je perds celle-là. Au moment où il faut pas. Voilà. Je tricote, je mets deux mailles. Je tricote une maille. D'accord? Hop. Il me reste une maille et le marqueur. Oups. La deuxième manche. Je prends la maille, j'enlève le marqueur. Et je vais passer mes mailles. Sans les perdre, ce serait mieux. Sur mon arête, maille. Comme mon fil n'est pas assez grand, c'est pour ça que je ne vais pas tricoter les manches avant. Est-ce que ça va pas le faire? Mon fil est trop court. Je vais me retrouver embêtée. Hop. J'arrive sur mon marqueur. J'enlève le marqueur, hop, et je prends une maille. Je ferme mon marqueur. Et là, je fais la même chose que l'autre côté. Quatre mailles que je rajoute sur mon aiguille. Une. Deux. Et 4. Je resserre un petit peu pour pas que ça soit trop baillé. Hop, je mets ça là dans le coin. Je récupère hop, le restant. Je tricote ma maille ici. J'enlève le marqueur. Et je termine mon tricot tout au point mousse, donc que des mailles à l'endroit. Donc ici, c'est une maille à l'envers. Hop, je passe mon marqueur et les mailles de la bordure. Hop, toute défaite, ma maille. Ma laine qui s'est toute défaite ici, je sais pas pourquoi. Hop, voilà. Je suis arrivée là. Je tourne mon travail.
Et là, je vais tricoter 4 rangs tout à l'endroit je passe mon marqueur ici c'est sur le devant en fait que je récupère alors là je passe en dessous ma maille est là je vais en dessous et je tricote une maille ça me fait ma maille à l'endroit. Quand je suis sur l'endroit du travail. Là, j'arrive sur les mailles que j'ai rajoutées. Donc, on les tricote. Une. Deux. Trois. Et 4. Et on continue à tricoter. Donc là, c'est mon rang numéro 1. On va tricoter 4 rangs. Donc là, je suis sur l'avant du travail. Quand j'ai séparé mon travail, j'étais sur l'arrière. Là, je suis sur l'endroit du travail. D'accord? Je vous ai pas précisé. Quand on a fait la séparation du travail. Donc là, je continue et je fais 4 rangs au point mousse. D'accord? Et je reviens vers vous.